Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un énorme haul action. Donc, comme vous l'avez vu sur la vignette, au moins, je pense, j'en ai eu pour 96 euros. Je savais pas que c'était possible chez Action, mais ça l'est. Voilà. Donc, je vais commencer par d'abord par deux produits. Il n'y a que deux produits qui ne sont pas de chez Action. On a été à la foire à 1 euro. Alors, l'autre, il n'est pas à 1 euro. C'est quoi? Et je me suis trouvé un nouveau mug comme ça, bec verseur, vous savez, comme j'adore boire. Parce que j'utilise tout le temps le même. Donc, du coup, voilà, je m'en suis pris un autre et il était à 1 euro. Donc, je ne me suis pas ruiné. Il est un peu plus petit, mais c'est pas plus mal. Et en fait, je cherche depuis un certain temps un moule licorne, mais un profil de licorne. En silicone, un moule en silicone. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-ci. Voilà. C'est pour faire une déco en plâtre, tout simplement. Donc, bah, vous verrez ça probablement dans le haul qui va venir, parce que je pense que je vais le faire assez vite. Et je vais quand même chercher après un moule licorne de profil, parce que à la base, c'est ce que je voulais. Mais je pense que ça peut être joli et... Il y a tous les détails, les fleurs, les yeux et tout. Donc, comme vous allez voir que j'ai acheté de la peinture acrylique chez Action, je vais pouvoir faire mes muses. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pas Action, mais voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Vraiment, beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, je l'ai plus là parce que Georges l'a déjà pris, mais il lui fallait un casque pour jouer à la PlayStation, hein, tout simplement. Bien que je préfère qu'il n'en ait pas parce qu'au moins on l'entend moins gueuler. Mais voilà, on lui a pris celui-là, il était à 5 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, bon, après, c'est pas de la super qualité, hein, mais en attendant que je puisse lui en recommander un vrai, j'ai envie de dire, on lui a pris celui-là. Alors, je vais prendre parce qu'on a des petits bacs, donc j'ai mis dans les petits bacs. J'ai pris, évidemment, des paquets de gâteaux aux abricots. Oui, il y a de la bouffe aussi. Hein. Mais il n'y a pas que ça, il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs. J'ai repris des bifiroles pour moi et pour Georges, mais Georges a déjà piqué son paquet. Il n'y a plus les italiennes là, que j'adore aux herbes. Là. Et j'ai pris ceci. Donc normalement, c'est pour ranger dans les frigos. Hein. Mais moi, j'ai pris pour les Titi parce que si vous avez vu mon dernier vlog, il s'éclate. Non, c'est le vlog. Oui, non, le dernier vlog. Il s'éclate. Non, c'est pas le dernier vlog, je sais plus. Enfin, voilà. Il s'éclate avec les petites brindilles. Et du coup, j'aurais pris une boîte pour leur mettre plein de brindilles. Comme ça, ils peuvent fouiller dedans. Ça adore fouiller, hein, ces petites choses-là. Donc, ça leur fera bien plaisir. Alors. Là, il y a pas mal pour le DIY, déjà. J'ai pris ce vase. Voilà. J'aime beaucoup la forme. Il n'était pas bien cher. Et je vais pouvoir me faire une déco d'été. Printemps été que je suis en train de faire, hein. Vous verrez ça au fil des vlogs hein, parce qu'en ce moment je n'arrête plus, mais je le trouve très beau et ça avec mes fausses fleurs dedans et une guirlande lumineuse, je pense que dans le fond ça sera très joli. Toujours des bye-bye. J'ai pris des pinceaux à peinture pour aller avec le kit d'acrylique que je ne sais pas où qu'il est pour l'instant, mais j'ai pris des pinceaux pour faire la peinture. J'ai trouvé, j'ai dû fouiller parce qu'elles étaient bien planquées, du spray comme ça, des glitters en spray. J'en ai pris deux. S'il n'y avait que des silver, donc j'ai pris deux silver, moi c'est ce que je préfère. Je sais que pour Manon, j'achète toujours des trucs comme ça dorés quand je lui fais des décos parce qu'elle préfère le doré à l'argenté. Mais elle aura de l'argenté, tant pis. Ou pas de paillettes. Du coup, j'en ai pris deux. J'ai trouvé des bâtons de glace. Voilà, parce que j'ai un autre DIY que j'ai vu sur Insta que j'ai envie de faire. Donc, je ferai ça aussi. J'ai pris quand même des colles comme ça parce que celles que j'achète elles sont quand même beaucoup plus chères quand c'est pour faire des bricolages et qu'on les voit pas parce qu'elle a tendance à jaunir et à faire un peu des bulles, donc elle est moins lisse que celles que j'achète de meilleure qualité. Mais quand c'est des trucs à coller qu'on voit pas la colle, voilà, ça c'est assez. J'ai pris des petits neneuils. Je sais pas si vous allez voir. Donc il y a trois tailles différentes. Voilà, ça peut toujours être sympa. Il y a 80 fois, donc il y a 40 paires, hein, je pense. Oui, il n'y a pas 80 paires, ça m'étonnerait. Mais il y a 40 paires, donc c'est pas ce que je vais utiliser le plus en déco, mais ça peut être sympa. J'ai repris des roses comme ça. Voilà, ça j'adore. À chaque fois qu'il y en a, je prends celle-ci ou celle en mousse, que j'ai pris aussi, hein, je vais vous montrer juste après. Mais par exemple, vous voyez, pour mettre sur la petite licorne,
ça sera très joli. Je me suis pris un backup de mon masque préféré pour les cheveux, qui est le Intense Repair de chez This Is It. Voilà, ils ont changé les packaging, mais c'est toujours le même faire, parce que j'adore ce masque. Ouais, c'est toujours la même odeur, en tout cas. C'est le meilleur masque au monde, hein. Il n'y a pas photo. Donc ça sera dans mon backup. Et on a pris un panier comme ça pour les chichous, parce qu'ils font dedans, mais eux, ils bouffent les trucs. Là, celui qu'ils ont, ils manquent toute cette partie-là. Je leur en ai remis un 9, mais c'est un carré. Et c'est... quelle taille? Je ne sais pas si c'est noté dessus. Non, la taille n'est pas notée, mais bon, voilà. C'est ce gabarit-là que j'achète pour tout. Et voilà. Donc, je vais ranger un petit peu mon parterre, tout ce qui va en bas. Là-dedans. Chez Cora, je me suis surpris deux Oral-B parce qu'ils étaient en promo. Voilà. Alors, chérie a pris des crackers comme ça, crème et oignon. Vous savez qu'ils les adorent. Je les adore aussi, mais moi j'ai oublié l'enfant. Il s'est repris deux paquets de 6 bonbons, mais je crois qu'il y en a un pour Georges. Voilà. Alors, après, c'est de nouveau dit. Ouais, je me suis pris un liner gel comme ça. Voilà, pour quand je dois m'en servir en base sur toute la paupière. Oh, j'ai plus de batterie. Je vais devoir faire le haut en deux fois. Quand sur toute la paupière ou sur une grande partie de la face, je préfère utiliser ça qu'un jumbo, par exemple. Ça revient vachement moins cher. Donc, je vais filmer jusqu'à ce que ça coupe. J'ai repris des roses. Donc, celle-ci en mousse. J'ai pris des blanches et des roses. Pareil, hein, pour la liqueur. Ça sera très joli. Toujours pour mon fond de vidéo, j'ai acheté ça. J'ai craqué dessus, il était trop mignon. Voilà, c'est complètement kitsch, mais j'adore. Je trouve ça très beau. Après, il n'y avait pas d'autre couleur que blanc. C'est dommage parce que du coup, on le verra moins bien, mais je m'en fous. À moins que je lui fasse peut-être des taches grises, je sais pas. J'ai acheté le kit de peinture, la Metallic Pencil. Voilà, ça peut être sympa aussi pour certains bricolages. Il y avait aussi en néon, hein, mais donc il y a 4 fois 50 ml. C'est très bien. J'ai acheté du tape comme ça pour un bricolage que je suis en train de faire pour les filles. Donc il y a 5 roues, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la colle blanche, tout simplement. C'est toujours pratique d'en avoir. Alors, je continue avec ce qui est DIY et puis après, je vous montre ce qui n'est pas DIY. Je me suis pris des petits osios. Ça va être trop joli aussi sur le petit vase là, que je vous ai montré juste avant. Dans la papeterie, je me suis racheté des stylos de couleur parce que je suis accro aux stylos de couleur et j'en bouffe une quantité astronomique. Chéri a repris un arbre magique pour mettre dans la voiture et il a pris mango et papaya. Il prend toujours les odeurs que je déteste. Je crois qu'il le fait exprès. Là, il avait sport avant qui me donnait mal la tête. Là, il a pris mango et papaya, deux odeurs que je ne supporte pas. Je crois qu'il le fait vraiment exprès. J'ai repris les petits élastiques comme ça parce que Georges, comme maintenant, il se fait son petit palmier au-dessus de la tête. Là, hein, il peut faire une caouette. Donc, il se fait une caouette. Sauf que lui, les élastiques, apparemment, c'est à usage unique. Parce qu'il fait une caouette et après, il vient en chercher un nouveau. Donc, je fais le stock. Dès que j'ai chez Action, je reprends toujours un paquet. Et après, il y en a pas mal hein, dedans. Il y en a 50, je crois. Ouais, 50. Mais moi, j'en utilise beaucoup aussi. Quand je fais mes tresses et tout ça, c'est ce que j'utilise. Alors, j'ai pris un pot de vaseline. Tout simplement. Donc, c'est la originale. Je sais pas. Il y a 100 ml dedans. En fait, c'est ce que j'utilise pour mettre sur la bordure de mes cheveux quand je fais mes colos pour éviter de faire des taches. Mais je vous raconte pas le délire de chérie... dans le action. Voilà, je vous passe les détails s'il y a des enfants qui regardent, mais chérie gueulait dans le magasin des choses obscènes. Oui, je suis très malaisante des fois dans les magasins, mais lui, il sait le faire aussi. Hein. J'ai pris ça, c'est pour mettre dans la chasse d'eau, parce que nous, on a vraiment un problème avec la chasse d'eau. En fait, l'eau, quand on tire la chasse, elle ne fait pas le tour du WC, donc on ne sait pas, quand on colle les pastilles canard WC, ça enrobe pas, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai pris ça pour bien nettoyer l'intérieur de la chasse et tout. J'ai pris aussi chez Cora des blocs de Javel. Je vais en mettre un dedans aussi.
Et on a pris ça toujours pour les chichous, une caisse en bois, tout ça, toute simple. Voilà. On verra s'ils préfèrent dormir là-dedans. Bon, clairement, ils vont la bouffer. Hein. Ils vont la destroy. Hein. Pareil, il n'y a pas la taille. C'est dommage. Mais voilà, c'est un beau gabarit hein, pour les trois. Ils rentreront largement dedans. Bon, ça serait bien que je puisse finir le haul. Alors, maintenant, il reste le gros sachet. On a pris pour les Titi un paquet de cacahuètes. Elles sont vraiment pas bien chères et les Titi adorent ça. Même les chichous, pour bon temps, je leur en donne une. Mais eux, je ne rouvre pas. Comme ça, ils passent le temps à arracher la... Ça les occupe, quoi. J'ai repris un déo Adidas pour Georges. Là, c'est le Dynamic Pulse Cool and Woody. Donc, ça doit sentir un peu le bois. Ça, c'est pour Georges. Voilà, c'est le genre de bonbons qu'il adore, les verres comme ça acidulés, il adore ça. Moi, je me suis pris ceci parce qu'il n'y avait plus les autres. Ceux que j'achète normalement en boîte. Donc, il y a les Haribo, Ballastix, Strawberry Flavor. Et est-ce qu'il marque le nombre de pièces qu'il y a dedans? Ça va pas l'air. Il y a 240 grammes. Et ceci qui était nouveau, donc c'est des arcs-en-ciel, il y a 160 grammes, cool mix fruit. Ouais, je préfère ceux à la fraise. C'est à la fraise, hein. Thierry s'est repris deux paquets de coucou, de rings de coucou. Il s'est repris deux paquets de café, de dosettes pour la Senseo, en régular. 36 pads. Je me suis pris des mélo cakes. Après, vous savez. Hein. J'ai repris, alors je vous en montre qu'un, hein, mais j'en ai pris deux du plâtre. Donc il y a 1,5 kg. Et franchement, pour 1,49 euros, ça fait déjà des belles quantités. Mais il va m'en falloir pas mal pour la licorne. On arrive au bout. J'ai repris un paquet de lingettes pour bébé, puisque je m'en sers pour moi, pour me démaquiller, pour les titis, quand ils font pipi, tout ça. On a repris un gros sac de friandises stick, comme ça, pour les chiens, parce qu'ils adorent ça, les deux. Donc là, franchement, il y a 2 kilos, je crois, dedans. Il y a plus ou moins 800 grammes. 2 kilos, j'exagère pas du tout. Et la dernière chose, je me suis pris un kit comme ça de 24 couleurs, de 22 ml de peinture acrylique. Donc je vais pouvoir faire Mumus. D'où les pinceaux. Voilà. Et il y a aussi, chérie, ça a pris aussi un chargeur pour mettre, pour charger son téléphone dans la voiture et l'accrocher en même temps. C'est aimanté. Donc ça, il est déjà déballé. Je vous affiche le prix. Je ne sais plus exactement le prix, sauf que c'est un mini USB hein, pour le brancher et qu'il faut qu'on trouve maintenant la prise. Voilà. Ah bah ça va, 14 minutes pour le haul. Je pensais qu'il y aurait plus que ça. Pour 96 balles, j'ai pas tant que ça en fait. Hein. Après, bon, il y a le casque, tout ça, ça revient vite cher. Hein. Les paniers, tout ça, les boîtes, ça augmente vite le tarif. Hein. Mais bon, on s'est demandé si elle n'avait pas fait une erreur à la caisse. Quand même. Donc voilà, j'espère que ce big haul, cet énorme haul Action vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir quelques petites nouveautés. Au moins pour les DIY. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve toute la semaine en vidéo encore. Après, ça sera plus calme. Et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.